La rencontre fut étonnante. Pour la première fois, il y a 35 ans, aux archives de la ville de Marseille, un film fut réalisé où l'on pouvait voir trois calligraphes venus d'horizons lointains et de paysages divers, calligraphiés ensemble dans le cadre d'une démonstration unique qui présentait pour chacun le sommet de leur pratique ascétique. Un calligraphe latin, Thierry Emmanuel Garnier, un calligraphe touareg, Rawad, et un calligraphe chinois venu de Pékin, Rao Guang, ont mis au service de la tradition leur art millénaire. De cette expérience unique, un happening hors du commun, il en est resté un film émouvant et précieux. Ce sont ces moments de grâce et de poésie en hommage à la calligraphie renaissante que nous vous proposons maintenant de partager ensemble. Si ma reine me demande ce qu'il y a dans la boîte aux trois encriers, je lui dirai le sang de mon cœur, la fumée bleue de mes soupirs et le noir de ma mauvaise fortune. Thank you.
La capacité du calligraphe à retenir sa respiration se reflète dans la qualité de son geste. Il existe une technique respiratoire. Normalement, on respire sans ordre. Mais lorsqu'on calligraphie, on ne peut pas inspirer et expirer n'importe quand. Le calligraphe apprendra tout au long de sa formation à suspendre sa respiration et à profiter d'un arrêt dans le dessin de la lettre pour la reprendre. Un mouvement poussé ou tiré ne sera pas le même si on inspire ou si on expire en l'accomplissant. Lorsque le mouvement est long, pour que la ligne reste pure, on coupe le souffle afin qu'il n'altère pas le geste. Avant de calligraphier une lettre ou un mot, il faut prévoir les endroits où on va pouvoir reprendre son souffle et, par la même occasion, reprendre de l'encre. Ces arrêts se font à des endroits précis et codifiés, même si on peut encore retenir sa respiration et s'il reste de l'encre dans le roseau. Les arrêts servent donc à refaire le plein d'air et d'encre. Thank you.
Sous tous les cieux, l'homme trace le trait, et le trait fait l'homme. Le trait épouse la pulsation du sang, tout en captant le souffle cosmique. Fil ténu d'un lien indéfectible. Rien alors de ce que l'homme a pressenti n'est perdu. Le mouvement des astres, comme le vol des oies sauvages, le grondement des laves comme l'embrasement du feuillage. Mais déjà, d'expérience, l'homme le sait. Le trait n'est pas une fin en soi. Il est rythme et volume confondus, le geste initial d'une figure qui de toute éternité doit advenir le signe. Par le signe, l'homme se révèle à l'infini de son désir. Et libre, désormais, danse avec transe, fait corps, douleur. Et douceur font un. L'homme fait signe en se faisant signe. À l'image de celui qui apparaît à l'horizon du désert, au voyageur perdu et exténué. Silhouette offerte, semblablement dénuée, mais combien secourable, corps et âme tendus vers le marcheur qui s'avance vers elle. Le premier trait qui sépare et l'ultime.
ultime trait qui réunit